Si des zones du terrain particulièrement, on peut dire que la première phase des accords de paix tels qu'ils avaient été signés à Paris le 14 décembre a été respectée. Les actions menées l'ont été avec le souci d'une stricte impartialité et il faut le souligner avec la collaboration des partis en présence. Je voudrais dire que le système des commissions militaires mixtes, tel qu'il est prévu par les accords, s'est mis en place cette semaine et continuera à fonctionner. C'est par ce système que nous avons pu commencer à donner aux différentes parties les instructions de l'IFOR.